Cholet était intéressé. Et j'avais d'autres clubs aussi. Après, j'ai privilégié les résultats sportifs de Cholet. C'est un bon club, ils ont fait des champions. En plus, c'est ma région. Je connais un petit peu. Donc voilà, quoi, c'est un bon challenge. En plus, vu qu'il y a l'Euroleague, c'est un très bon challenge. Quoi, c'est énorme. Déjà, j'ai beaucoup de travail à faire pour, parce que j'ai été arrêté depuis janvier. Beaucoup de retard sur les autres. Depuis cet été, je travaille. Donc j'espère que grâce à ça, je vais franchir le palier qui me manque depuis le début en pro. J'espère que la santé, ça va aller aussi. Puis je pense que si j'ai ça, après, je suis capable de faire des bonnes choses avec Cholet. Ouais, voilà. Vu que j'ai du retard, plutôt je pouvais venir ici, plutôt mieux c'est pour moi. Vu que ça me fait déjà du travail à récupérer sur les autres, même si c'est pas facile, je dois en passer par là pour revenir au niveau. C'est bénéf pour moi. J'ai été opéré fin janvier et j'ai commencé à retoucher le ballon il y a 2 mois et demi, 3 mois, c'est tout. C'est vrai que je suis pas un pivot physique, mais j'ai la chance d'être plus grand que les autres. On dit que j'ai des bonnes mains, donc c'est un avantage pour moi. Donc, j'essaie de jouer là-dessus pour contrer les adversaires. Et voilà, après, il y a des fois ça marche, il y a d'autres fois c'est plus difficile, comme des pivots physiques, c'est sûr que c'est plus difficile. Après, c'est à moi de m'adapter en fonction de l'adversaire. Bon, c'est un peu embêtant parce qu'on avait tout nos repères avec la ligne d'avant, donc pour faire toute une mécanique pour reprendre l'habitude, mais je me concentre pour le moment sur le 2 points, et à 3 points ça viendra après. J'ai du travail dans la raquette. Ouais, voilà, et puis j'ai ma famille qui est pas loin, donc... Là, t'es en juin, c'est ça? Ouais, voilà. Très lasé, exactement. Donc c'est facile l'intégration. Ok. Et je crois même que tu as déjà fait une saison en jeune à Cholet. Ouais, la première année cadet. Donc voilà, c'est pour ça que je connais un peu le déroulement des choses ici. Ouais, voilà, puis c'était le coach me voulait vraiment, donc c'est ça que j'ai privilégié plutôt que de partir dans un autre club sans avoir de garantie. Je privilégie plus que le coach me vole vraiment. Comme ça, je peux vraiment travailler. Et déjà, s'il a confiance en moi avant, c'est déjà un plus. Après, c'est à moi de lui prouver sur le terrain. Ah, c'est la folie ici. Non, c'est dur, mais bon. Si tout joueur qui veut progresser, t'es obligé de t'entraîner très dur. Donc, c'est pas grave, faut faire avec. Puis, si je peux franchir le palier, j'espère qu'il y a. Qui va me permettre de faire ça. Les deux, l'appréhension parce que c'est quand même un championnat énorme. Puis se mettre au niveau, déjà moi me remettre au niveau de la croix, ça va être facile. Après le relais, ça va être encore plus dur. Donc c'est sûr un peu d'appréhension, mais bon, je pense qu'après, quand on va être dedans, ça va aller. Puis il y a de l'excitation aussi parce que. Tu vois les mecs, tu les vois à la télé, là tu vas sur le terrain contre eux. Le Barça déjà, c'est ouais, le Barça. On va essayer de faire un strap de tout ça pour pouvoir les battre. L'année dernière, j'étais bien parti. J'ai eu mon épaule qui est revenue m'embêter. Autrement, je pense que j'aurais fait une bonne saison parce que je me sentais bien. Après, on peut toujours avoir des trucs, mais je pense que j'aurais fait mieux que les 2 années précédentes. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Hein. Si je peux faire les 3 ans ici, c'est bien parce que c'est un bon club. Ouais, c'est ça que je recherchais aussi, la durée. Parce que ça m'intéresse pas de faire un an dans un club et de repartir direct. Non, j'aime bien,
j'aime bien être posé et prendre le temps de faire bien les choses pour pouvoir après mieux s'exprimer sur le terrain. Comme je te disais tout à l'heure, j'espère bien faire une bonne saison cette année après. On va toucher du bois pour que j'ai pas de blessure, mais si j'ai pas ça, je me sens confiant et il n'y a pas de raison à ce que je fasse pas une bonne saison.